Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de challenge propre firme, puisque vous êtes nombreux à vous demander comment utiliser le robot Magic Freecom pour valider vos challenges propre firme. Alors ici on va prendre l'exemple de FTMO. Si vous me suivez, vous savez que c'est la plateforme propre firme que je préfère, mais le robot est compatible avec tout type de propre firme. Et pas uniquement des propres firmes, le robot est compatible avec tout type de broker. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien sur un broker classique que sur un challenge FTMO. Simplement, il est configuré pour valider tous vos challenges propres firmes en total automatique. Alors, du coup, la première étape sera d'aller sur votre plateforme propre firme. Ici, nous sommes sur FTMO et dans votre espace client, vous allez récupérer les liens de téléchargement MT4 ou MT5, à savoir que vous aurez à la fois la version MT4 et la version MT5 du robot, comme ça il n'y a pas de souci. Depuis l'espace client de votre propre firme, donc ici nous sommes sur FTMO. Avec FTMO, ce qui est bien, c'est que vous aurez l'option essai gratuit. Donc vous pouvez passer directement un challenge ici ou avoir un essai gratuit, et comme ça vous pourrez tester la puissance du robot avant de passer sur un véritable challenge. Donc dans un premier temps, on va choisir USD, on va ensuite choisir 100 000 dollars. On reste sur FTMO et non pas FTMO Swing, on reste sur FTMO et vous aurez le choix entre MetaTrader 4 et MetaTrader 5. À savoir que quand vous faites l'acquisition du robot Magic Freecom, vous aurez à la fois la version MT4 et la version MT5, comme ça il n'y a pas de souci. Donc ici on va prendre la version MT5 et là on va commencer l'essai gratuit. Donc là vous aurez vos identifiants avec le lien de la plateforme pour télécharger la plateforme. Donc vous choisissez soit Windows soit Mac si vous avez un Mac. Ici on va prendre Windows et là on va installer tout simplement le MetaTrader. Puis on va mettre ses identifiants, donc login, mot de passe. Voilà, donc là on vient de lancer le MetaTrader 5 avec les identifiants et le mot de passe que vous avez sur votre espace client. Et maintenant, il suffira juste d'installer puis d'activer le robot. Alors pour ce faire, alors ça va être très simple. Quand vous faites l'acquisition du robot, vous aurez également les liens de téléchargement. Vous allez simplement faire un clic droit. Alors c'est très important, il ne faut pas double-cliquer sur le fichier, ça ne va rien ouvrir. Il faut faire un clic droit, puis copier. D'accord? Et ensuite, vous allez sur votre MetaTrader, vous allez dans Fichier, ouvrir le dossier des données, MQL5, Expert. Advisor, et là vous allez coller le fichier Magic Freecom. Une fois que vous avez fait ça, vous allez fermer le fichier et vous allez fermer votre MetaTrader, puis vous allez l'ouvrir à nouveau. Voilà, maintenant que c'est ouvert, si je vais dans Expert Consultant à côté, je vais voir apparaître le Magic Freecom V6 pour MT5. Ok, donc là je vais double-cliquer dessus et on va autoriser le trading algorithmique. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, dans les données d'entrée, vous voyez que c'est très simple au niveau des paramètres. On a déjà configuré entièrement le robot pour qu'il puisse faire son travail. Donc vous allez laisser tel quel. Le seul paramètre à changer, ça sera le trade size ici en fonction de la taille de votre capital. Ben, vous allez modifier le trade size. C'est là où vous indiquez la taille des lots à miser. Donc pour un capital de 100 000 dollars, dans notre exemple, on va mettre ici un lot. OK. Ensuite, on va cliquer sur Trading algorithmique. C'est très important parce que si vous ne le faites pas, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez ici le petit signe à côté du nom Magic Freecom. Il est en berne, il est gris. Donc vous allez cliquer ici et là, boum, vous voyez que c'est bleu. Quand c'est bleu, ça signifie que ça fonctionne. Ça sera la même chose pour MetaTrader 4. Le même procédé. Ensuite, vous allez cliquer sur Activer le trading algorithmique et vous aurez un smiley qui va sourire. Ça signifie que le robot fonctionne. Maintenant qu'il fonctionne sur XAU/USD, j'ai oublié de préciser que le robot donne les meilleurs résultats sur les paires XAU/USD et Euro/USD en daily, mais principalement sur XAU/USD en daily. Maintenant qu'il est activé, on va le laisser travailler tout simplement.
Voilà, donc là, vous voyez que le robot a commencé son activité de trading. Vous voyez qu'ici qu'il a placé un stop loss et un take profit. Donc je rappelle que le robot Magic Freecom n'utilise pas de martingale, il n'utilise pas de stratégie bizarre, il utilise une stratégie simple axée sur un stop loss et un take profit avec un bon ratio risque-bénéfice pour que même si vous avez des trades perdants, que vous finissiez toujours en gain, c'est vraiment l'important. Le trading, ce n'est pas du casino, donc on fait les choses sérieusement. Donc là, on va laisser le robot trader tranquillement. Et en termes de backtest, maintenant, on peut tester du coup le robot sur le mois précédent, puisque là, nous sommes en juillet 2024. On va tester le robot du coup sur le mois précédent, à savoir juin 2024. Donc, si j'augmente ici, je vais au 1er juin jusqu'au 30 juin 2024. Hein, pas faire de bêtises. Voilà, donc juin 2024, nous sommes bons. Alors ici, on met le bon robot, Magic Freecom. 100 000 dollars de placement. On choisit toujours chaque tick ou chaque tick basé sur les ticks réels. En termes de placement, on a bien mis un lot et on peut lancer notre backtest. Voilà, donc en termes de backtest ici, sur le mois précédent, on voit un profit total net de 13 259 dollars, d'accord, avec un drawdown extrêmement faible, à savoir que bien entendu, le profit est atteint avant le drawdown. Donc de retour sur FDMO, on voit que en termes d'objectifs, on est largement dans les clous, puisque là, pour 100 000 dollars, on demandait d'atteindre un objectif de 10 000 dollars de gain. D'accord? L'objectif est largement atteint ici, puisque nous sommes à 13 259 dollars pour un drawdown extrêmement faible. Le drawdown, en fait, reste même en dessous du drawdown qui est exigé ici. Le drawdown est de 10 000 de 10 000 dollars. D'accord? Donc, atteindre 10 000 dollars de profit avant d'atteindre les 10 000 dollars de perte. Donc là, on est largement dans les clous. Le challenge, il est validé. D'accord? Donc comprenez bien que avec le robot Magic Freecom, il n'y a absolument rien à faire si ce n'est activer le robot et le laisser tourner. Il y a un stop loss et un take profit. Donc si possible, n'intervenez pas dans l'activité de trading du robot puisque vous pouvez modifier les résultat, même si vous avez de temps en temps des pertes, puisque vous ne pouvez jamais avoir 100% de trades gagnants, c'est impossible. Comprenez bien que les trades gagnants qui vont venir vont combler largement les trades perdants et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Le robot de trading Magic Freecom s'appuie sur la stratégie utilisée par notre indicateur de trading Magic Freecom compatible avec TradingView. Donc, si vous connaissez déjà notre indicateur, vous connaissez toute la puissance de cette stratégie. Si vous ne connaissez pas l'indicateur Magic Freecom, il y a d'autres vidéos sur cette chaîne sur laquelle je présente cet indicateur magique. Vous avez également toutes les informations concernant nos outils Magic Freecom sur notre canal Telegram sur lequel je partage des signaux, des astuces, des conseils pour améliorer votre activité de trading ainsi que les résultats apportés par nos outils Magic Freecom, que ce soit l'indicateur technique sur lequel qui va vous aider à trader manuellement, mais aussi les résultats apportés par le robot de trading 100% automatique pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous souhaite de faire un maximum de profit avec nos outils Magic Freecom, l'indicateur ou le robot de trading 100% automatique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Telegram. Je suis joignable H24. Vous pouvez également poser des questions en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite de faire un maximum de profit et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.